Les Citroën C3 Picasso, Renault Grand Modus et autres Opel Meriva ont du souci à se faire. En effet, Kia, réputé pour ses véhicules présentant un excellent rapport qualité-prix, décide de s'engager sur le marché des mini-spaces. Côté stylistique, la Venga propose une ligne séduisante. Dommage que la face avant manque de personnalité. En effet, elle ressemble étrangement aux différents modèles de la gamme Ford. Pour animer la Venga, Kia propose deux moteurs essence de 125 et 90 chevaux. Ici, le 1,4 litre de 90 chevaux se montre amplement suffisant pour une utilisation quotidienne. Cependant, il ne faut pas hésiter à le solliciter afin d'en tirer le meilleur bénéfice lors des phases de grosse relance. Le comportement quant à lui est sécurisant grâce notamment à l'ESP monté de série. L'intérieur est convivial. La planche de bord, inspirée de la Kia Soul, bénéficie d'une bonne présentation comme d'une finition très convenable. Outre une excellente position de conduite, le conducteur profite des différents équipements eux aussi montés de série, comme la climatisation ou la radio CD MP3 avec commande au volant. Passons aux avantages majeurs de la Kia Venga, son habitabilité et sa modularité. La banquette arrière coulisse sur 13 cm, ce qui permet de faire varier à sa guise l'espace aux jambes ou le volume de coffre. Autre point que la concurrence ne propose pas forcément, les dossiers de siège arrière sont inclinables, idéal pour les longs trajets. Le volume de coffre est simplement le plus généreux de sa catégorie. En plus d'être vaste, il s'avère très pratique. Une fois la banquette rabattue, le plancher est totalement plat, idéal pour transporter carton ou grosses valises. Tarif, à partir de 14 690 € pour les motorisations essence et 16 590 € pour les versions diesel.